Salut les Dédés, j'espère que vous allez bien. En tout cas, moi ça va nickel. Aujourd'hui, petite vidéo sur un nid de frelons asiatiques. Donc, on va aller voir où il est. On est en pleine campagne. Donc, on est sous un abri. Vous voyez, comme d'habitude. Je sais pas si vous le voyez comme il faut. Voilà, il commence à être pas mal de taille. Donc, je vais m'habiller et on va traiter ça. À de suite. Allez, c'est parti. On est prêt pour le combat. Prêt pour le combat. Allez, on va aller les voir. Salut les petits dédés. Donc voici le petit nid. Salut les petits frelons. Alors, qu'est-ce que vous racontez là? Quelqu'un? Et ça sort. Hein. Bon, on le traite ce nid. Sur le plan tactique et technique, je vais le traiter un peu par la droite en 4-4-2 et ça va aller. Et comme ça, Didier Deschamps il sera content. Bon, voilà, le nid est traité. On va l'ouvrir un petit peu. Vous voyez, quelques larves, il n'y en a pas beaucoup encore. Allez Dédé, un petit pouce bleu pour la chaîne. Voilà, la saison a commencé. Bon, je suis content. Bon, vous avez vu, c'est quand même encore un endroit dangereux. Hein. Donc, les petits nids de frelons, c'est petit, il n'y a pas beaucoup de choses. On commence à en avoir pas mal. Hein. Mais ça reste très dangereux pour les gens. Donc un petit message aussi, j'ai beaucoup d'appels de gens qui habitent en dehors de Toulouse, dans d'autres régions de France, qui me demandent si je peux faire des traitements sur des nuisibles. Donc je les invite à regarder le site internet France Nuisibles. Il suffit qu'ils tapent leur code postal près de chez eux et ils trouveront toutes les sociétés agréées pas loin de chez eux. Voilà. Donc n'hésitez pas à aller voir France Nuisibles, je vous le marquerai en bas, le lien, et je le mettrai dans la description. Bon, le client m'a dit aussi qu'il avait des problèmes de guêpes, donc il avait trouvé un nid. Donc on va aller voir ça. C'est juste à côté du nid de frelon. Je vais vous montrer. Je ne sais pas si vous voyez dans la fente. Donc il est pas mal celui-là aussi. Hein.
On va mettre un petit coup de poudre et l'enlever. Donc voilà, j'ai enlevé le nid. Bon voilà, la vidéo est terminée. J'espère que ça vous a plu, cette petite vidéo sur le frelon asiatique. Donc n'oubliez pas d'aller sur France Nuisible pour ceux qui veulent des interventions près de chez eux. Sur Toulouse, vous tapez ddfrelon.fr et il n'y a pas de souci, vous aurez mes coordonnées. Et je vous dis à très bientôt les dédés.